été génial, tu sais. Tu m'as vraiment, vraiment fait plaisir. Merci pour les compliments. Voudras-tu que je revienne encore demain pour te redonner du plaisir? Demain? Demain, je ne pense pas. Mais je te dirai quand je serai libre. N'est-ce pas? D'accord. Ok. Est-ce que je peux te parler pour une seconde? Ok, je t'écoute. Comme tu es belle. Oh, merci pour le compliment. Est-ce que je peux avoir une soirée avec toi? Je voudrais te parler beaucoup. Oh, désolée, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je viens de m'entretenir avec un gars. Il était très beau et chic. Ah bon? Yeah. Il m'a invité à sortir avec lui ce soir. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai refusé l'invitation. Mais pourquoi donc t'as refusé? Je ne le connais même pas. Anita, pourquoi t'as refusé? Hein? Ces hommes sont des vaches à lait. Comment donc des vaches laitières? Écoute-moi, tu couches avec et ils te prennent en charge dans les moindres détails. Habillement, coiffure, nourriture, mais ouvre les yeux ma petite. Ouvre les yeux et ne sois pas idiote. Amida, où est-ce qu'il t'a eu tout cet argent? Cache, madame. Tu sais, si papa te voit, t'es foutu. Et quoi? Tu as volé? Volé? Ça, c'est à moi. Oh, ok. Alors, aujourd'hui, je vais avoir quelque chose, je pense. Quoi? Quelque chose sur ça? Oui, tu sais, j'ai pas des sous-vêtements et... Ok. Tourne-toi un peu. Pourquoi? Tourne un peu, vas-y. Vas-y. Et voilà. Regarde-toi. Des bas à haut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout ce qu'une fille doit avoir pour trouver de l'argent. Alors, si tu en veux, à chercher pour toi. Moi, je me casse. S'il te plaît, Anita. Celle-ci? Moi? Celle-ci aussi? Isaka. Samuel. Vraiment.
même celle-là aussi. Wow. Quoi? Un instant. Mais celle-là? Mais bien sûr. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Alors le monde touche à sa fin. Ma liste est longue, mon frère. Toi-même, celle-ci. Hein? Comment tu la trouves? Sakazi. Alors, aujourd'hui, on va chanter le cantique Alléluia, Amen. N'est-ce pas? Oui. Ok. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, tu m'as empêché de regarder ce que je veux. Mais arrête de me fixer comme ça les regards. Qu'est-ce que tu peux dire à celle-là qui te regarde? Amina, Anita, hein? Vous faites des bagarres même à l'église, hein? Non. Je ne suis pas d'accord avec votre comportement, hein? Ça fait honte vraiment, hein? Anita! Oui, papa. Viens ici. J'espère qu'il n'y a plus de place. Non, il n'y en a pas. Bon, va acheter d'autres. Ne traîne pas. D'accord. Et tu sais que j'ai rendez-vous avec mon ami. Salut. Comment ça va? Je vais bien. Mon visage te dit quelque chose? Bien sûr. On s'est rencontrés la dernière fois sur le chemin de la fontaine. C'est juste. Moi, c'est Isaka. Et toi? Anita. Ah, Anita. Anita, tu sais quoi? Le jour où je te vis, vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Vraiment, je suis tombé amoureux de toi. Alors, je ne sais pas quoi faire. On peut en parler si tu as le temps aujourd'hui ou si on peut en parler aujourd'hui. Les hommes sont des vaches achetées. Oui, d'accord. Est-ce que tu as un téléphone? Non, je n'ai pas de téléphone. Alors, je ferai quoi? Comment pour te voir? J'habite dans le quartier. C'est tout près? Oui, c'est tout près. Est-ce qu'on peut y aller? Pas de problème, est-ce que tu peux me montrer là où tu habites? Oui, pas de problème. Pas de problème. Oui. Allons-y.
J'ai encore une fois rencontré le gars de l'autre fois. Ah, ah bon? Et il est amoureux de moi. Et alors? Peux-je lui dire oui? Idiote! Mais qu'est-ce que tu attends? Vraiment? Vas-y! Ok. D'accord? D'accord. C'est bon. Bon appétit. Merci. C'était moche. J'ai pas du tout aimé. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je t'aime peu. Il faut me manquer. Ne me touche pas. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces choses-là? Des choses? Quelles choses? Le sexe. Écoute-moi, Anita. Dans le sexe, il y a le plaisir, le bonheur et même la fortune. Tu sais, on pourrait chercher un autre moyen de trouver de l'argent. Ça, c'est très moche. C'est très mal. Quoi? Ok. Comme toi, tu as d'autres moyens. Toi, là, tu as d'autres moyens pour trouver de l'argent. Ne touche plus jamais à mes affaires. Jamais. Bienvenue, ma belle. Merci, chérie.
Chérie? Chérie? Oh, c'est la bienvenue, ma chérie. Merci. Tu m'as tellement manqué, hein, tu sais. Oh. J'ai décidé de venir par moi-même. Oh. Sois la bienvenue. Qu'est-ce que c'est chez toi? Les gars, quoi? Ouais. Savez-vous que je suis champion? Champion. Bon champion. Champion dans le bêtise. Isaac. Un jour tu vas les regretter. Moi c'est Christian. Ça, c'est ce que je vous dis pas éliminer des chrétiens dans notre groupe. Vraiment éliminer ces gens. Anita, Anita, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Anita, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa, Anita, qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Ah, lève ton pas voir le médecin du quartier. Lève-toi. Ça va aller, ma petite. Ça va aller, lève-toi. Viens pas voir le médecin du quartier. Ça va aller. Anita. Anita. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es quoi? Je suis enceinte, papa. Amina m'a orienté vers un homme, elle a besoin de moi. Juste pour l'argent, papa. Mais Anita, mais comment abuser? Hein? Dites-moi, comment abuser ma fille? Je suis enceinte, papa, je suis enceinte. Ok, tu viens dans le cabinet docteur Paul. Je venais d'être en possession de ton résultat de laboratoire. Et en voici les résultats. Mais avant tout... C'est quoi, docteur? Écoute, avant tout, je voulais te dire qu'il ne faut pas t'aviser à contaminer qui que ce soit quand tu te crois malade. Mais docteur, je comprendrai. Donc, ce résultat atteste que tu es atteinte. C'est pour ça que je disais que
tu es censé utiliser les préservatifs à chaque rapport sexuel. Qu'est-ce que vous dites? Tu dois utiliser les préservatifs ou les condoms à chaque rapport sexuel. Et voilà, si tu n'es pas en mesure de t'abstenir, c'est ce qu'il faut faire. Donc, par là, je vais te dire que, en communion avec les résultats ici présents, tu es atteinte de VIH-SIDA. Voilà. Comment, docteur, mais non, docteur, ça ne peut pas être vrai. Non, pas quoi. Docteur. Non, docteur, c'est pas vrai, docteur. Mon Dieu, c'est pas vrai. Calme-toi, mademoiselle. Prends courage. Qu'est-ce que je deviens, moi? C'est pas juste, docteur. Non. Amina, qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Pardonne-moi, papa. Pourquoi pardonner? C'est mon rêve, papa. Ah. Amina, de quoi parles-tu? Je suis mourante, papa. Une enceinte et l'autre à tête. C'est comme si les cerfs tombent sur moi. Oh mon Dieu. Ah. Mon Dieu. Je dois mourir. Cet après-midi, on va attendre le message de nos deux sœurs, Amina et Anita, que nous soient les bienvenus. Nous sommes devant vous. Pour demander pardon à l'Assemblée et à Dieu. Nous avons fait des bêtises. Pourtant, nous servons le Seigneur. Ma sœur, et moi, nous sommes ici pour solliciter vos prières et conseils. Je le suis.
Amina, écoute-moi. Ça fait 10 ans que j'ai cette maladie que tu as. Il suffit seulement de respecter les antirétroviraux et de laisser des mauvais comportements, comme l'alcoolisme et la débauche. Quant à toi, Anita, tu n'es plus un enfant. Tu dois être responsable. Ne laisse plus jamais te tromper par qui que ce soit. Ça va aller. Elle a violé la diwa. Elle a violé la diwa.